Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien sur cette belle vue, sur ce lever de soleil magnifique les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo, enfin une vidéo courte et très particulière, excusez-moi. On se retrouve sur Creativerse et je vous rassure les amis, vous inquiétez pas, je suis sur un monde donc que j'ai créé il y a de cela 2 jours. Ça fait 2 jours que je suis retourné sur ce jeu. Alors laissez-moi un petit peu vous expliquer. Il se passe des choses assez incroyables dans ma vie, non c'est faux. En fait ce qui se passe c'est que, il faut savoir que j'avais commencé un let's play en début 2016. Voilà, début 2016 j'avais commencé un let's play sur le jeu Creativerse. Donc ce jeu qui ressemble un petit peu à Minecraft version futuriste. Enfin version, voilà, vraiment version science-fiction et vraiment incroyable. À l'époque j'aimais bien, voilà, c'était en développement. Enfin c'est toujours en développement d'ailleurs ce jeu, mais voilà, à l'époque j'aimais bien, mais il n'y avait pas encore énormément de choses à faire. Et au final j'avais arrêté la série très rapidement, parce que vous savez que moi j'aime bien arrêter les séries. Bref, et en fait ce qui s'est passé c'est que, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'y retourner. J'avais envie de revoir un petit peu le jeu, je l'avais réinstallé, donc il y a 2 jours au moment où je fais cette vidéo. Dites-vous qu'on est le 25 juillet au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'ai réinstallé le jeu, j'ai commencé à jouer et je me retrouve 2 jours après avec un petit monde. D'ailleurs je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Mais en fait cette vidéo c'est tout simplement pour vous demander votre avis. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un let's play sur le jeu? Alors dans ce cas-là je recréerai un monde et on fera une aventure ensemble. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, eh bien on découvrira ensemble parce que et puis je vous expliquerai un petit peu tout ce que je sais, parce que mine de rien, je comprends vraiment pas mal le jeu maintenant. Je suis vraiment devenu addict à ce jeu. Je vous rassure, Minecraft est toujours là, il n'y a pas de souci de ce niveau là mais c'est vrai que je suis un petit peu devenu accro ces 2 derniers jours du coup à Creativerse. Donc je vais un petit peu vous montrer ce que j'ai build. Tout simplement, voilà. Et donc en gros voilà, c'est une vidéo sondage. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une aventure sur Creativerse? Donc voilà, tout simplement vous me répondez en commentaire. J'aurais mis un sondage en haut à droite que vous pourrez répondre directement également. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Dites-vous, voilà, je me suis installé ici tranquillement sur cette petite plage. Voilà, j'ai mis un petit beacon ici, un petit pilotis. Voilà, un petit pilotis alors qui est vide hein, pour le moment, regardez. Et bah j'aime bien, voilà, j'ai fait une baie vitrée et tout, enfin. Je suis trop content de ce qu'on peut faire, ce jeu est incroyable, hein. Voilà, sachez-le, pour ceux qui connaissent pas, ce jeu est vraiment incroyable, et pour ceux qui le savent, bah vous le savez quoi, hein. Ce jeu est fou. Ici j'ai fait une petite caverne habitable, hein. Regardez, bonjour, eh franchement, si c'est pas magnifique, avec des lumières de partout, des fenêtres, on peut éteindre, ici des rangements de coffres, voilà, ici des trucs pour miner, ça des trucs de minage, des blocs de décoration, voilà, j'ai tout bien trié. Des processeurs, des forges. Alors voilà, pour ceux qui connaissent pas tout ça, vous inquiétez pas. Si vous êtes chaud et que je fais une série là-dessus, à chaque fois j'expliquerai un petit peu le processus des choses et on découvrira des choses ensemble. Ici regardez, petite chambre. Ah d'accord, ça c'est éteint. Donc voilà, petite chambre avec des lumières LED. Attendez, je rallume tout, ça prend un petit peu du temps, c'était pas prévu. Voilà, donc ah ouais, petite déco là au calme. Non en fait je vous explique, le monde est ouvert à BXNO. Donc c'est pour ça en fait, elle a fait un petit peu des trucs. Donc vous voyez, la nuit on peut éteindre la lumière pour mieux dormir et tout, ouais, on peut dormir, c'est sympa. Là ici, il y a un petit téléporteur, hop, qui nous emmène dans une autre caverne. Donc c'est la première caverne que j'ai explorée. Voilà, sachez-le, voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est la toute première caverne que j'ai explorée. Ah, on voit le beacon. Voilà, donc je suis installé en fait juste là-bas. Hein. Le téléporteur ne sert pas à grand-chose. Et normalement, j'ai un troisième téléporteur, donc je sais pas si je le reprends. Attendez, on va voir. Ah ouais, vous voyez, ça me téléporte encore ailleurs, vous voyez. Donc dans un petit biome forêt. Est-ce qu'on voit le beacon? Non, en tout cas, il est par là-bas. Donc, je vais reprendre la téléportation. Ça me refait un petit chargement. Donc, voilà un petit peu hein, pour l'essentiel de ce que j'ai fait pendant ces 2 jours où je me suis bien amusé. Voilà, où j'ai pas mal miné, j'ai exploré un petit peu, j'ai découvert les mobs, etc. Il y a énormément de choses, évidemment, que j'imagine que je n'ai pas vu et que je n'ai pas encore découvert. Et donc, voilà, en fait, au fil du temps et en jouant, je me suis dit, putain, en vrai, ce serait grave cool de faire une série dessus, quoi. Genre, un peu comme sur The Forest. Bon, là, du coup, c'est Creativerse, mais... Dans le même délire quoi, genre refaire une série différente de Minecraft où on peut se retrouver tranquillement en solo, où je peux tourner quand j'en ai envie et voilà, un petit rendez-vous assez sympa. Donc si ça vous intéresserait, vous me le dites en commentaire, vous aurez voté le sondage en haut à droite. Et puis j'espère voir vos retours, j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. Ceux qui m'ont demandé de revenir sur Creativerse, j'espère que ça vous fait plaisir que je sois de nouveau de retour. Parce que mine de rien, c'est vrai que je suis pas déçu, il y a beaucoup de nouveautés et ça a vraiment changé quoi. Ça n'a plus rien à voir avec avant et c'est 1000 fois mieux. C'est vrai qu'au début on pouvait pas faire grand chose et là on a tout un truc à faire quoi. On a tout un univers à explorer, plein de choses à faire, énormément de craft à voir. Donc c'est assez incroyable. Et c'est vrai qu'au premier abord ça a l'air compliqué et putain c'est super simple et tellement complet quoi. Genre Creativerse, t'es créatif à fond quoi, tu peux que créer quoi.
genre ton imagination elle a pas de limite. Donc c'est ça ce qui est incroyable. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de voir vos retours, vos avis. Et puis bah, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.